Smoothie au persil, au gingembre et au concombre pour une perte de poids immédiat. À prendre la nuit avant d'aller au lit. Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je partage aujourd'hui avec vous une astuce faite maison pour brûler considérablement vos graisses. Cette astuce consiste à faire un smoothie à base de persil, de gingembre, de citron et de concombre. C'est la recette parfaite pour vos soucis de perte de poids. Mais avant d'aller plus loin, abonnez-vous à ma page YouTube en cliquant sur la cloche. Activez toutes les notifications afin de recevoir plein de vidéos intéressantes. Dites-moi en commentaire votre nom, votre ville, le pays depuis lequel vous regardez cette vidéo. Je vous laisserai plein de petits cœurs, plein de bisous dans les commentaires. Comme ingrédients, vous aurez besoin de 3 tranches de concombre bien pelées, d'une demi-tasse de persil haché, une cuillère à soupe de gingembre pelé ou même râpé, un verre d'eau et du jus d'un citron. Le concombre est un atout de taille pour rester mince. Le légume est frais et gorgé de 96% d'eau. Le concombre est peu calorique. Il contient seulement 10 kcal pour 100 grammes. S'il ne contient que peu de vitamines, il s'agit d'un véritable allié pour la minceur. C'est très rassasiant. De plus, le potassium qu'il contient participe au drainage. La pepsine contenue dans la peau de concombre facilite son assimilation dans l'organisme et serait donc bénéfique pour la digestion. Choisissez le bien frais, bien ferme, bien jeune. Puis gardez une bande de peau sur deux. Si vous avez l'estomac fragile, bien sûr. Par contre, si le concombre n'est pas issu de la culture biologique, n'hésitez pas à retirer toute la peau avant la consommation afin d'éviter d'ingérer les pesticides. Pas besoin de laisser le concombre dégorger car les variétés les plus courantes n'ont pas de goût amer. Retirez au moins une partie des pépins car ils sont indigestes. Le concombre se garde une semaine dans un bac à légumes au réfrigérateur, bien sûr. Le persil frais est une source de vitamine C. Le rôle que joue la vitamine C dans l'organisme va au-delà de ses propriétés antioxydantes. Elle contribue aussi à la santé des os, des cartilages, des dents, des gencives. De plus, elle protège contre les infections, favorise l'absorption du fer contenu dans les végétaux, accélère la cicatrisation. N'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube en cliquant sur la cloche de notification. Activez toutes les notifications afin de recevoir plein de vidéos intéressantes. Dites-moi en commentaire votre nom, votre ville, le pays depuis lequel vous regardez cette vidéo. Je vous laisserai plein de petits cœurs. Mais bien sûr, avant de continuer, si vous voulez une astuce radicale, je vous conseille de boire la tisane mimosa qui est tout simplement fusionnelle. Ça vous aide à perdre le poids en un temps record. Sur le site www.rosemoneyfashion, vous pouvez trouver ça. N'hésitez pas à jeter un œil. Le gingembre est composé de 90% d'eau et est très riche en fibres. Il est une source remarquable de vitamine B9 ainsi que de vitamine A, B1, B2, B3, B5, B6, la vitamine C et même la vitamine E. Le rhizome de la plante est d'autre part gorgé de sels minéraux, d'oligo-éléments tels que le magnésium, le phosphore, le zinc, le calcium, le fer, l'iode. Mais c'est grâce à son action coupe-faim que le gingembre intéresse le plus. La fabuleuse plante asiatique aide à réduire la faim en créant un sentiment de satiété après sa consommation. Comme l'indiqué dans cette étude menée sur le sujet, lors des recherches, les scientifiques ont établi que la plante permet un accroissement de l'efficacité de la leptine, hormone de satiété, qui régule l'appétit et les réserves de graisse dans l'organisme. Ce faisant, cette hormone module la sensation de faim. Qualifiée d'hormone anorexique, elle joue un rôle prépondérant dans la perte de poids. Pour notre smoothie, nettoyez tous les ingrédients et mettez-les dans un mixeur. Mélangez jusqu'à l'obtention d'un liquide bien homogène, puis versez le smoothie dans un verre et prenez ceci le soir 30 minutes avant d'aller au lit. Vous devriez prendre ce smoothie une fois toutes les nuits pendant 15 jours consécutifs. Vous devez boire beaucoup d'eau, bien sûr, au moins 8 verres par jour pour garder votre corps bien hydraté. Cela vous aidera à expulser les graisses, mais très cher. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Précisez votre nom, votre ville, le pays depuis lequel vous regardez mes vidéos. Merci de soutenir ma chaîne. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans les commentaires et rapidement je vous répondrai. Nous mettons en ligne de nouvelles vidéos tous les jours sur d'autres problèmes de santé. Donc, si vous voulez plus de conseils, abonnez-vous à cette chaîne. Pensez à me suivre sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Visitez mon site www.rosemoneyfashion. Plein de surprises vous y attendent. Bisous, bisous.